Bonjour à tous, c'est Zetsu66 et on se retrouve sur Mario All-Star qui est une ROM avec plein de jeux de Mario. Et donc j'ai décidé de commencer à faire Super Mario. Ensuite Super Mario, je vais toutes les faire en fait les Mario. Comme je vais toutes les faire peut-être. Ouais, non, excusez-moi. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que déjà Donkey Kong va revenir. J'ai pas terminé la série sur Donkey Kong Country 2, mais ça va revenir. Simplement que là, faut que je refasse tout le jeu. Je suis à peu près à la moitié, donc il me reste encore 2-3 mondes à faire et je devrais avoir retourné où est-ce que je suis rendu. Et entre temps, à la place de faire Donkey Kong Country 1, 2, 3, j'ai décidé de faire une petite pause et de faire un Mario entre temps. Parce que sinon, ça fait juste Donkey Kong tout le temps. C'est sûr, j'aurais pu clencher le finir tout de suite. Mais j'ai décidé de faire un petit Mario en attendant. De toute façon, les Mario, je voulais en faire quelques-uns. Et pourquoi pas faire les trois, genre son cours. Les premiers sont courts. Et après, avec Super Mario World, il y a aussi les ROM hacks que je peux faire. Donc voilà, ça fait une couple de vidéos que je vais pouvoir faire de plus là-dessus. Donc ça, c'était déjà prévu, ça fait un moment. Mais là, j'avais pas commencé encore à faire les Mario. J'ai décidé de faire les Mario avant. Comme les Donkey Kong que je vais faire aussi. Que j'ai pas encore terminé, mais que je vais terminer. Il y a aussi d'autres vidéos qui vont sortir bientôt là. Il y a cette dans ce moment aussi que j'ai commencé. Donc voilà. Donc on va jouer à un joueur. Et le monde 1-1. Donc j'ai pris la version Super Nintendo parce que les graphiques sont un petit peu mieux. Et surtout, la principale raison c'est que l'émulateur est plus facile à configurer et à. Pour enregistrer en même temps avec Fraps. Donc voilà. Et que en plus, les graphiques sont un petit peu mieux parce que c'est la version Super Nintendo, mais c'est absolument le même jeu qu'il y avait sur la NES. Et oups, c'est lag. Ça c'est normal, c'est mon ordi qui fait ça des fois. Comme j'avais dit tout le temps, ça fait toujours ça. Bref, donc ça c'est le même jeu et en plus c'est la même ROM pour tous les jeux, les trois premiers jeux. Donc ça va, c'est plus pratique pour moi que de tout télécharger les ROM différentes. Alors oui, j'ai la NES avec Mario dessus, voilà, j'ai pas juste cheaté sur internet, je l'ai chez moi, j'ai la vieille NES avec Mario dessus, le premier et le 3, ça je me rappelle, mais de toute façon ils sont durs à trouver, donc ça c'est pas tellement grave, j'ai pas un émulateur. Point, point, point. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit tour sur Mario parce que Mario c'est cool et que j'aime bien ça aussi. J'aime bien Donkey Kong, mais j'aime Mario aussi, donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos aussi sur Mario. Je veux dire, ça revient au même que Donkey Kong, c'est pas tellement plus. Oups. Donc voilà, il y a plein de secrets là dans Mario que. Je connais pas non plus, mais j'en connais les principales, je connais ceux qui sont plus connus. J'en connais quelques-uns quand même. Le seul truc, c'est que je crois pas que je vais utiliser le truc pour skipper les mondes. Parce qu'en fait, mon but, c'est pas vraiment de skipper les. Parce qu'il y a pas moyen de. Il me semble qu'il y a un moyen pour. Oups. Voilà. Quand on fait un saut par en arrière, mais qu'on rebondit sur le mur, ça permet d'aller plus loin en fait. Oh, attendez. Je l'ai presque. Voilà. Mais je crois qu'on peut le faire automatiquement sans rebondir sur le mur. Là, c'est parce que je m'en ai servi. Je savais pas si ça marche. Bref, je me rappelle plus. Ça fait un moment que j'ai pas joué à celui-là. Ben voilà. Je suis plutôt bon à Mario aussi. Comme. Oups, là, je dis ça et je meurs. Non, mais je suis plutôt bon à Mario aussi. Un petit peu comme dans Donkey Kong. Les premiers niveaux, ça va être facile. Sauf que là, je suis mort. Parce que je me suis un petit peu trop dépêché. Voilà. Donc, ça sera des petites vidéos courtes pour Mario. Je vais faire un monde par vidéo. Donc, ça va aller très très vite. Mais je crois qu'il y a 8. Non, je crois que dans celui-là, il y en a 5. Je crois qu'il y a 5 mondes. Non, je pense qu'il y en a plus que ça. Je crois qu'il y en a 8. Si je skip pas, ça devrait faire à peu près une dizaine de vidéos. Parce qu'il y en a qui prennent un petit peu plus de temps. C'est pas tellement grave. Mais c'est surtout parce que ça sauvegarde pas autrement que par les. Les mondes, je crois. Je sais même pas si ça sauvegarde.
Mais c'est pas grave parce que j'ai la sauvegarde d'émulateur au pire. C'est juste que c'est plus propre faire ça. Faire ça monde par monde plutôt que par. Plutôt que juste faire une coupe de niveau et arrêter au monde 4-3. Merde, j'ai manqué mon saut. Qui est arrêté au monde 4-0. Donc voilà, c'est juste une petite introduction. Comme je dis, ça va être des petites vidéos courtes. Ça va être plus ça va prendre moins de temps à faire que Donkey Kong et ça va être des vidéos plus courtes. Mais quand même, c'est. J'aime bien Mario aussi, c'est un jeu très cool. Et que c'est ça. Donc je voulais absolument le faire le premier aussi. Parce que je me suis dit, je pouvais faire les ROM hacks, mais je voulais faire le vrai jeu avant. Et avant de faire Mario World et Mario 3, j'ai décidé de faire le premier aussi parce que le premier est très cool aussi. Que j'aime bien le premier. Voilà. Et que ça fait juste plus de vidéos. Oh merde! Ok, c'est bon, ça va. Je m'en sors. Je m'en sors très bien. Ok. Un petit peu dur à contrôler Mario parce que il y a une inertie en fait. Que quand j'arrête, Mario continue. Tu vois, j'ai lâché le bouton là. T'as lâché le bouton. Il continue à courir un petit peu. Fait que c'est comme s'il glisserait un peu. Ce qui fait que des fois c'est un petit peu plus difficile à être précis. Mais ça va. Salut! Bye! Bon, ça c'est le premier Bowser très facile à battre. Et là, comme c'est la première vidéo, j'arrêterai pas au monde parce que là j'aurais déjà fini. Ça ferait une vidéo d'à peu près 5 minutes. Donc je vais faire deux mondes aujourd'hui. Plutôt qu'un parce que le premier est plus facile à passer. Et j'ai déjà terminé. Donc je vais faire le deuxième aussi. Parce que sinon ça va faire une vidéo juste trop courte. Là, je vais pas faire une vidéo de 3 minutes juste pour me débarrasser. J'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus longue. Tant qu'à faire une vidéo, tout se met en faire une qui nous aurait raisonnable. Pas trop longue, mais pas trop court non plus. Ça c'est vraiment trop court. Ça fait peut-être 6 minutes que je joue. Donc. Ah, il y a quelque chose qui est chiant dans le premier, c'est que même sur la fleur et qu'on se fait toucher. Et là, je m'excuse. Et c'est quand est-ce qu'on se fait toucher, ben on rétrécit au complet en fait. On fait pas juste. Ok, je suis encore mort à la même place. Et ça c'est cool, il y a comme des petits checkpoints en même temps dans le truc. Voilà, ok, je me dépêche un petit peu trop. C'est parce que, ouais, ça je veux dire, ça mettons qu'on a une fleur et qu'on est grand, ben on rapetisse petit, je veux dire, il n'y a pas de entre les deux, on fait pas juste perdre de pouvoir de feu, on part tout. Donc, ça c'est un petit peu chiant, mais ça va encore. Et il y a aussi les Lost Levels aussi, mais je sais pas si je vais les faire, c'est comme celui-là, c'est le même Mario, mais c'est avec Luigi, je crois. Et que, on a le choix. Je sais pas. Et c'est juste que le jeu est plus tough. C'est comme, c'est le même principe que celui-là, sauf que c'est d'autres niveaux, et les niveaux sont plus difficiles. Donc je sais pas si je vais le faire. On verra ça. Voilà, ok. Bon, j'ai eu un petit score de merde, mais c'est pas grave. Ok. Donc voilà, oui. Quand je parle des ROM hacks, en fait, c'est que je vais essayer des ROM hacks de Super Mario 3 ou de Mario World qui rajoute soit des trucs de gameplay, soit complètement un autre jeu. A aucun rapport et donc j'ai envie d'en faire une quelques-uns. Il y en a quand même pas mal qui ont l'air sympathiques, donc ça je vais le faire. C'est pour ça que je vais les faire, mais avant je vais faire celui-là parce que j'ai envie de. Ah non, touche mon pote, ouais. Ok, c'est bon. Ah merde, ils me font très chier. Ces putains de poules de merde. Si je vais les esquiver par en bas. C'est bon, j'arrête de chanter. Ouh, ok, c'est bon. J'ai eu un espèce de truc bizarre là. Il y a comme eu un courant d'eau qui m'a traîné quelque part.
Ok. Ah non, même pas de vie. C'est difficile de prendre, attraper directement le bout du drapeau pour avoir une vie de plus supplémentaire. Je crois que ça donne une vie. Je sais même pas si dans celui-là ça donne une vie ou c'est peut-être dans un autre en fait. Je me rappelle plus du tout en fait. Mais c'est pas grave. Hihi, ça va, c'est proche. Ok. Merde, celui-là va être très chiant. Je vais simplement avancer. Donne-moi champignon. Ok, c'est bon. Là au moins je suis protégé. S'il y en a un qui me touche. Je serais pas exprès pour qu'il y en a un qui me touche, mais quand même. Ok. Ça va, j'ai terminé. C'est vraiment des petits niveaux courts quand même. C'est ça qui est cool. Non, il y a pas de vie. Mais c'est ça qui est quand même cool dans celui-là, c'est que c'est des petits niveaux courts. Il y en a qui commencent à être un petit peu plus longs, mais à peine. Et que c'est plus difficile après. Mais ça se fait très très bien. Ok. Attention. Là, je passe par où? Par en bas ou en haut? C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a plus de feu en haut. Ouais, c'est juste ça. Mais ça revient à la même affaire. Ça revient à la même place. Ok, attention. J'esquive tes boules de feu, tu m'auras pas comme ça. Tu m'auras pas comme ça non plus. Même si tu mets des petits blocs, ça m'empêchera pas de sauter par-dessus. Et voilà. Donc, c'est déjà terminé cette petite vidéo. Deux mondes de Mario déjà fait, ça va très vite. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite série qui s'en vient. J'espère que vous allez apprécier. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.